Les 2, 3 et 4 février prochains, nous allons organiser avec Street Photo France et le photographe et aussi youtubeur Paul Napo un événement sur 3 jours qui s'appelle Défi Photo de Rue. Et vous pouvez vous inscrire à cet événement tout de suite sur l'adresse défiphotoderue.com. Cet événement, ça va être 3 lives d'une durée, je pense, d'une heure et demie, on va pas se mentir. Si j'étais tout seul, ce serait une heure, mais là, on va être plusieurs, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce sera avec un conducteur scripté et pas comme mes émissions non scriptées. Donc 3 lives, le vendredi à 20h, le samedi à 20h, le dimanche à 20h, thématique photographie d'homme. 3 thématiques sur ces 3 lives. Oser, capter, partager. C'est beau, hein? Et donc, oser, premier jour, surmonter ses peurs en photographie de rue. Je suis en train de travailler sur une méthode ou sur une manière d'accompagner les gens pour franchir ce pas qui est difficile, de commencer à faire de la photographie dans l'espace public un peu plus près des gens, pas trop loin, essayer de s'approcher, ça fait peur. Donc j'ai vraiment, et je suis très très excité et enthousiaste de vous raconter ça, vous verrez. Vendredi 2 février à 20h, avec l'équipe de Street Photo France, avec Paul Napo, avec peut-être d'autres invités qui ont été contactés et qui n'ont pas encore répondu. Le samedi 3 février à 14h, tous ceux qui seront inscrits, ce sera sur une plateforme dédiée, le logiciel que j'utilise là, là vous regardez sur YouTube, moi j'utilise un logiciel et vous pourrez vous connecter, hein, c'est comme Zoom on va dire. Et donc dans le chat, les participants à l'événement pourront se donner rendez-vous le lendemain à 14h dans leur ville. Donc évidemment, les grandes villes sont privilégiées, il y aura potentiellement plus de participants, mais Paris, Lille, Marseille, Lyon, Rennes, Nantes, Strasbourg, Nice, Bordeaux, Toulouse. Est-ce que j'ai oublié une ville moyenne? Bon, c'est déjà pas mal, Clermont-Ferrand. Les participants pourront se donner rendez-vous à un point de rendez-vous qui est encore tenu secret jusqu'à la date. Hein. Et évidemment, les équipes de Street Photo France, certaines personnes, ceux qui pourront se porter candidat et qui voudront filmer cet événement, seront invités à le faire. Si vous êtes youtubeur, si vous faites de la vidéo, et bien dans chacune des villes, vous pourrez filmer soit en live, soit des rushs, et puis voilà, vous donner rendez-vous. On essaye de faire la plus grande réunion club photo de la francophonie, parce que ça peut être aussi à Bruxelles, ça peut être à Genève, ça peut être au Maroc, ça peut être au Canada, toute la francophonie. Donc voilà, c'est bien, c'est pas ambitieux. Hein, et donc ça, vous pouvez vous inscrire tout de suite à cet événement, 2, 3, 4 février, à 20h les lives, à 14h le samedi et le dimanche, rendez-vous tous ensemble pour faire les exercices proposés la veille, faire de la photographie ensemble, être accompagné des copains, c'est toujours plus facile, surtout quand on débute la photographie de rue. Si vous débutez la photographie de rue, si vous osez pas le faire, c'est la thématique, hein. Osez, capter, partager, défiphotoderue.com. Voilà les amis, ça c'est ma première résolution. Et je suis évidemment très 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 excité de pouvoir vous partager ça. Alors évidemment, Paul Napo, qui est un photographe extraordinaire, portraitiste extraordinaire, notamment dans l'espace public, les portraits de rue. Donc ce sera la thématique qu'on évoquera avec Paul Napo. Je crois qu'il m'a donné un accord de principe pour le vendredi, pour le lancement de l'événement. Mais en tout cas, le samedi ou le dimanche, on verra avec Paul Napo le portrait de rue et la photographie éthique, on va dire, hein, le rapport aux gens, hein, c'est la thématique partagée. Donc initialement, j'avais pensé le dimanche, mais peut-être c'est bien de faire ça le samedi, on verra. Et la troisième thématique, c'est capter quelques techniques, pas des dizaines, 2 ou 3 techniques avancées de composition en photographie d'homme. Donc on verra si on fait samedi, dimanche, l'un ou l'autre, avec Paul Napo. Paul Napo étant, lui, en Irlande, moi, au Brésil, à Salvador. On ne peut pas, évidemment, être au rendez-vous dans les villes de France et de Navarre ou de la francophonie pour vous retrouver. Je voudrais faire un gros événement YouTube avec tout ce que YouTube Photo de Rue compte en francophonie et qu'on se retrouve et qu'on fasse un grand meet-up. C'est pas du workshop avec des petits groupes, c'est on se fait un grand meet-up, un point de rendez-vous, et pour ceux qui débutent, y a les copains qui sont là et on commence à faire la photo de rue tous ensemble.
Et donc ça, c'est quand même vachement chouette.